Marie. Bien. Mes chers enfants, bienvenue chez moi. Je suis tellement heureux de vous voir. Regardez, nous préparons le sapin pour la veille de Noël. Oh, il semblerait qu'il y ait un petit souci. Je parie que vous êtes impatients de découvrir vos cadeaux. Et très bien. Mais d'abord, voyons si vous les méritez. Ah, Floufi. Ah. Les enfants, voyons ce que j'ai sur vous dans mon livre. C'est très bien. La photo a été prise par mon fidèle ami Elfie. Je sais aussi que vous aimez votre petit lapin. Vous venez de France, pas vrai? Voyons ce que j'ai d'autre sur vous. Oh, c'est votre fête d'anniversaire. Vous grandissez si vite, c'est incroyable. Je sais aussi que vous aidez votre mère à faire la cuisine. Oh, je commence à avoir faim. Attends une seconde, je crois que mes gâteaux préférés sont quelque part. Où sont-ils? Ah, les voilà. Celui-ci est aux myrtilles et aux framboises avec un glaçage. C'est délicieux. Et en plus, avec des petites pépites de chocolat. Et alors ces raisins, ces raisins... Oh, Floufi, tu en es à ton troisième gâteau, petite fripouille. Bon, tant pis. Espérons que demain mes elfes en prépareront d'autres. Dans une minute, je vais vous dévoiler comment je fais pour en savoir autant sur vous. Oh, qu'est-ce que c'est que cela? Une usine de jouets? Comme vous le voyez, le travail avance. Oh, mais ce n'est pas ce que je voulais vous montrer. Venez avec moi. Et voici la pièce magique. Ici, nous testons tous les nouveaux gadgets magiques qui aident mes petits elfes à se faufiler chez tous les enfants du monde dans le plus grand des secrets, y compris chez vous. Regardez ça. Ouh! Cette montre est merveilleuse. Elle réduit les elfes. Oh! Tellement mignon ce petit elfe, mon petit elfe secret. Marie, Pierre. Alors, avez-vous une idée qui a bien pu me dire tout cela sur vous? Reconnaissez-vous cette personne? Vous avez de la chance d'avoir quelqu'un de si spécial à vos côtés. Je sais que cette personne pense à vous et m'aide aussi à choisir vos cadeaux. Souvenez-vous de lui dire merci et de lui faire un gros câlin. Maintenant que vous savez comment je connais tant de choses sur vous, allons retrouver les elfes et demandons-leur si vous méritez un cadeau. Ah, mes chers elfes, je vous ai réunis pour vous parler des enfants. Je ne sais pas encore s'ils méritent tous un cadeau. Vous voyez de qui je parle? Je ne sais pas quoi faire avec ces enfants. Qu'en pensez-vous? Méritent-ils tous un cadeau? Que feriez-vous? Bravo! Génial! Mes elfes me disent que je peux vous inscrire sur la liste des enfants sages. Je suis tellement heureux! Ma chère elfe, peux-tu jouer ma chanson préférée? Oh, mais que se passe-t-il? Avons-nous oublié de payer la facture d'électricité? Et qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais je pense que ça vient de l'extérieur. Allons voir ce qu'il se passe. Aïe! Oui! Ah, oh, ne
ne vois rien ici. Attendez, attendez. Ah, l'elfe électricien a probablement encore cassé quelque chose quand il décorait le sapin de Noël. Allons voir s'il a finalement réparé les lumières. Oh, nos invités spéciaux nous regardent. Nous devons réparer ces lumières pour l'occasion. On dirait que je dois utiliser ma magie. 1, 2, 3. Hop, c'est réparé. Oh, qu'est-ce que c'est? On dirait une lettre de recommandation pour les enfants qui aimeraient recevoir des cadeaux spéciaux. Aidez toujours les plus faibles de la classe. Mes elfes vont certainement vous rendre visite en cachette pour voir si vous êtes sage. Mais qu'est-ce que c'est? De la musique? À bientôt! Joyeux Noël! Au revoir! Oh,